Bonjour tout le monde, c'est Jean-Philippe. Aujourd'hui, je vous propose une salade composée de riz et d'aubergines. Alors, pour cette recette ici, vous avez 200 g de riz que j'ai passé sous l'eau. Là, vous avez une aubergine coupée en morceaux. Il vous faudra du sel et du poivre, deux tomates coupées en morceaux, un poivron épépiné et coupé en morceaux également. Et là, j'ai fait une sauce vinaigrette avec la moitié d'un oignon rouge. Vous avez 5 cuillères à soupe d'huile d'olive, 3 cuillères à soupe de vinaigre et une cuillère à soupe de moutarde. Et puis, bien sûr, il nous faudra eh bien, de l'eau pour recouvrir le riz. On va être entre 400 et 600 millilitres d'eau. Et eh bien, c'est parti pour notre recette. Tout simplement, je vais mettre mon riz dans la cuve. Je vais ajouter les aubergines et puis eh bien, je vais ajouter l'eau. Voilà, le but du jeu, c'est pas de recouvrir tous les ingrédients, hein, c'est juste de recouvrir essentiellement le riz. On peut poivrer, on va mettre un peu de sel également. Et on va programmer une cuisson. Bien, pour la cuisson, on se met en mode manuel, en cuisson sous pression ou cuisson rapide. Et pour le temps de cuisson, là, je vais me baser sur l'ingrédient qui est le riz. Donc je vais prendre le temps indiqué sur le paquet de riz et je vais le diviser par deux. C'était du riz 10 minutes. Bon, 5 minutes, ça va suffire. Je fais OK avec un départ immédiat. On ferme le couvercle. Et je vous dis à tout à l'heure pour la suite de la recette. La cuisson est terminée. On va ouvrir le coupe-l'eau. Et puis, on va égoutter eh bien, la cuve. Allez, le riz et les aubergines, morceaux d'aubergine ont été égouttés et passés sous l'eau froide. Je vais maintenant ajouter le poivron dans le saladier. Je vais mettre les tomates. Pour l'instant, je ne mélange pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais placer mon plat eh bien, au frigo pendant au moins 2 bonnes heures. Et je vous dis à tout à l'heure. J'ai sorti ma salade du frigo. J'ai mélangé tous les ingrédients. Il ne me reste plus qu'à servir cela avec la sauce. Donc chacun se servira dans son assiette. Et eh bien, je vous dis au revoir et à bientôt pour votre recette.